Bonjour à tous, c'est Nicia. Je suis ravie de vous retrouver sur Subnautica. Je suis revenue là. Mon prône, il est là. J'ai toujours pas fait l'amélioration. Vous m'avez dit en commentaire que dans la salle, on pouvait aller dans les différents biomes. Bon, bah c'est bien. Mais je voudrais bien faire mon amélioration quand même de prône. Donc on va se mettre bien et on va retourner. Je vais prendre à boire. Je suis bien. On va manger. Et on rentre. Et on va se servir des portails pour retourner à une base. Faudra forer les cubes hein, pour en avoir. Je sais plus où c'était le portail. This room appears to be a biological archive storing more than 40. Mais j'y suis pas allée là. Specimens in different states of development. Ah, bah comme quoi des fois se tromper ça sert hein. Ah mais attendez. Je peux scanner ou pas? Voilà. Integrating new PDA data. Sur le Léviathan. Non, je peux pas scanner. Il est drôle le truc hein, quand même. Hein. Bah, visiblement, je ne peux rien scanner. C'est joli, mais je peux rien en faire. Bon. Mais bon, il y avait des données qu'on n'avait pas, donc c'est très bien. Je l'avais pas vue cette salle. Oui, ben là c'est pareil. En fait, il y avait deux salles. J'y suis pas allée parce que j'ai cru que c'était deux entrées différentes. Alors attendez, parce qu'il y a plusieurs étages. En fait, c'est peut-être ça qu'il faut choper. Integrating new PDA data. Piper pénétrant dans l'installation. D'accord. Allez, je vais voir si je peux scanner. Non. En fait, il y avait deux salles, j'avais pas vu quoi. Ouais. Ah, il y en a qui vont plus haut. Alors, portail.
Donc là, normalement, on n'est pas loin de la base. Allons-y. La première base. On est juste à côté en plus. Et voilà. Ah. Alors pourquoi c'est sous l'eau? Pourquoi c'est sous l'eau? Il n'y a pas de raison. J'ai rien rajouté. Ah. Alors, allez savoir pourquoi. Bah, j'ai dû. Ouais. J'ai dû taper avec le prône. Il doit y avoir un trou ailleurs ou ça baisse? Ah oui, ça baisse. Purée. Bon, l'énergie remonte. Effectivement, il faudrait que je fasse le réacteur nucléaire ici, ça serait mieux. Hein? Mais bon. Donc toi, le prône, c'est celui-là. Il me manque les 5 titanes. Eh ben, on va aller chercher les 5 titanes et on s'en occupe. Alors, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. On le fait. Voilà. Ah, purée, ça n'a pas été sans mal. Hein. On va y mettre. Grimpe. Oh. Le mec, il n'arrive pas à sauter la petite marche là. Hop. Voilà. Très bien. Eh ben, vous savez quoi? Non. On va repartir au Cyclops. Bon, nous voilà revenus. Alors, on va réparer déjà un petit peu. Voilà, revenu là, descend. Voilà. Montre-moi ton stockage. T'es pas mal, prends une autre bouteille d'eau et on va te mettre, j'ai 3 cubes sur moi, ça fait 5 et on va forer là, parce que si on va pas recommencer la même. Et hop, même plus peur là. Boum. Rove la maman. Ah, ils sont où tes œufs? Attends. En douceur. Boum. Alors. Vous m'avez dit, il y a des salles. Alors, on va essayer de les faire dans l'ordre. Le portail, il est là-bas. On va commencer par là.
Grappe de bernacle bleu. C'est quoi qu'il me fallait, attendez. Regarde dans ton truc. Couronne de mer, scrutine, fongique, herbe fantôme. Et les pompons, on les avait. Life in this area is growing outside its normal conditions. Other life forms fertilizing and pruning the vegetation may be offsetting this environmental deficit. Violine galante. Ouais, en fait, ça n'en était pas, mais c'est joli. Il va falloir que je mange. Je vais me faire un poisson ou deux. Viens là, toi. Où c'est que t'es ? Couronne de mer. Bon, en voilà une. Donc le pompon, on l'avait. Attends, parce qu'il fallait celle-là. Tiens, toi, je te connais pas. Buisson des grottes. Bon, non. Donc, toi, on va te mettre là. Toi aussi. Alors, j'ai fait plein de cubes parce que je pensais qu'il allait falloir ouvrir des portes. Vous allez voir que je vais plus en avoir besoin. Alors, voyons ça. Ah bah. Non mais vous le vivez ? J'ai prévu plein de cubes et puis il y en avait... Là, il y en a. Vous avouerez que quand même. Hein. Ce qui fait que moi, je suis remontée parce qu'il me manquait un cube pour le portail, il y en avait là. Ouh ! Et en fait, je suis ressortie. Non mais... Waouh. Il y avait une sortie plus simple. Mais ceux qui connaissent le jeu, ils ont dû rigoler. Ils ont dû rire. Ah, alors attendez. On ne connaît pas. Herbe putride. Non, il en fallait pas. Alors attendez, parce que là j'ai trouvé une grotte. Je prends tout ce que je peux.
Oh, il y avait des cubes aussi là, mais non. En fait, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi. Bon, je sens que je vais galérer à trouver certaines parce que je sais pas à quoi ça ressemble. Donc les œufs sont là, je vais avoir fait le tour. Je vais pas avoir tout trouvé. Alors le pompon, on en a, graines d'herbe, fantôme, couronne de mer, la scrutine, on en a. C'est l'échantillon, l'échantillon fongique, alors ça par contre. Ouais. Welcome aboard, Captain. Ça va, je sais pas à quoi ça ressemble. L'échantillon fongique. Bon, alors là, je vous avouerai que là, je cale un peu. Je sais pas où trouver ça. Là, je vais ressortir. Mais l'échantillon fongique, ça par contre... Flore indigène contient des enzymes fongiques. Il me manque ça, quoi. Bon, bah écoutez, je vais rentrer. On va reprendre le Cyclops. Ah, moi, quand je reparte... Ouais. Ah, bah d'accord, on a... Ok, je comprends mieux où on arrive. Où on arrive. Bon, j'ai pas tout trouvé, hein. Il me manque l'échantillon fongique et la scrutine, je crois. On va essayer d'aller voir ça. Essayer de repartir d'ici. L'autre, il est là-bas, là. Vous le voyez, la mocheté, là. Ouais. Alors, l'échantillon pompon. On avait besoin de ça. Ça, je crois pas. Hein. Non. Donc, on va l'enlever. Et on va rentrer à la base. Alors, j'ai pas mal tourné. J'ai pas mal tourné pour le fongique, en fait. Et donc, je vais être honnête avec vous, j'ai regardé sur le wiki du jeu parce que je ne trouvais pas. Et en fait... Qui c'est qui me bouscule, là? Il semblerait que ça soit par ici. C'est toi. Qu'on les trouve. Voilà. C'était tout bête. J'en avais juste à la base. Je l'ai. Voilà. Donc là, il me manque plus que la scrutine. Je crois que j'en ai à l'autre base. Donc, j'y vais de ce pas. Eh ben, il me semblait que j'en avais. J'en ai pas. Bon. Bon, par contre, j'ai ça. Je sais pas ce que c'est comme bestiole.
J'ai un câlineur. J'en ai même deux, des câlineurs. Bon, mais j'ai pas la scrutine. Mais c'est pas possible. Je pensais de l'avoir. Oh là là. Donc, ben, on va chercher la scrutine. Bon, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, comme je vous disais, ça, c'était sur les champignons. Le biome champignon. Je suis allée, donc, comme je vous disais, sur le wiki du jeu parce que je ne trouvais pas où c'était. Et donc, voilà. Ça, c'est fait. On va pouvoir le faire. Et à chaque fois, je fais échappe. Bon. Eh ben, on va pouvoir retourner là-bas. Allez. Je suis à la base. Est-ce que j'y vais avec le cyclope ou juste le prône? Oh, on va y aller avec le cyclope. Allez. On y retourne. On se retrouve là-bas. Nous voilà arrivés avec plein de trucs qui piquent partout. Je me mets bien et je prends le prône et on se retrouve dans la salle. Vital signs stabilizing. J'arrive, maman. J'arrive. Voilà. Nous voilà arrivés. Scanner. Bah, faudrait qu'ils arrêtent de bouger déjà. J'y arrive pas. Ah, maman est contente de trouver ses petits. J'arrive pas à les scanner, par contre, ils bougent beaucoup. Hein. Bouge pas! J'ai bientôt fini! Yes! Je sais pas si j'ai tout fait. My young are swimming for the shallows. I thank you. Ah bah, je t'en prie. Their freedom is my end. Ah! What will it be like, I wonder? To go to sleep and never wake up. Perhaps next we meet, I will be an ocean current, carrying seas to a new land. Or a creature so small, it sees the gaps between the grains of sand. Farewell, friend. Eh ben écoute, c'était avec plaisir. Je suis désolée que toi... Ah mais ils s'en vont. Non mais pousse-toi, toi. Ah, puis ils sont partis. Ils sont sortis. Ça y est. Et elle, donc, elle va mourir. Attends, par contre, il faut que je respire. Ah.
Donc elle... Ça va être la fin. Et les petits sont partis par là. Ah. Toucher l'enzyme. Je peux pas scanner, auto-scan. Self-scan complete. Vital signs normal. No remaining sign of bacterial infection. Et voilà, donc les petits libéraient une enzyme, qui en fait soignait la maladie. Alors, on m'a demandé un petit peu d'expliquer l'histoire. En fait, les empereurs, donc vous avez la mère là qui a fait les œufs, les petits libèrent des enzymes qui traitent la maladie qu'il y a sur cette planète aquatique. Les aliens sont venus ici, l'ont enfermé pour justement avoir cette enzyme. Sauf que les Léviathans se sont vengés en détruisant toutes les bases aliens. Et les aliens ont fait le canon qu'on va pouvoir aller désamorcer maintenant parce que on est guéri, il fallait pas être malade. Ils avaient fait ce canon pour empêcher les autres d'autres personnes de venir sur la planète et de tomber malade en fait. C'était une protection. Et c'est pour ça que quand la navette est venue pour nous aider, pour nous sauver, eh bien, elle a été détruite. Donc elle va mourir. Les petits ont été libérés. Ils sont là. Voilà. Ils vont libérer dans l'eau des enzymes. Vous voyez ? Hop, il vient de le cracher. Ils sont marrons comment ils nagent. Hein. Et en fait, ils vont pouvoir guérir la faune et la flore qui devenaient contaminées. On en voyait de temps en temps avec des points. Donc ils vont libérer ça en grandissant. Et nous, il va falloir aller au canon, le désamorcer et faire... Je l'avais débloqué, il faut que je retrouve. Faire la plateforme pour pouvoir partir. Ici, voilà. Donc ça, on verra ça au prochain épisode. On fera la plateforme. Il faudra aussi avoir... les pièces de fusée pour partir, désamorcer le canon. On verra ça la prochaine fois. On fera tout ça. Et ça en sera fini pour Subnautica. Merci à tous de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt et surtout portez-vous bien.